salut tout le monde, content de vous retrouver en cette journée du 16 février. Nous sommes dimanche. Ah ben voilà, trail de Buzancy, 25 km, donc à environ 1h, 1h15 de Reims. Mais écoutez, retraite d'Ossard et je vous retrouve juste après pour vous parler de la course et sur la ligne de départ. Allez, top! Retraite de Sarre en poche, hein, numéro 234, départ dans à peu près 40 minutes. Mais écoutez, je vous retrouve sur la ligne de départ. Et puis on est bien, donc 25 km avec 600 mètres de D+. Allez, à tout à l'heure. Allez, petit échauffement articulaire, musculaire, montée de pulse. Départ dans 10 minutes. Le focus est là. Allez. On poursuit, je fais demi-tour et je vous retrouve sur la ligne de départ pour ce trail de Buzancy. De la course, donc 3 ravitaux de prévu sur les 25, 10e et 20e kilomètre, et l'arrivée. Bon, un vent pas possible, mais voilà, ça va, j'ai bien la pêche. Allez, on continue jusqu'au ravito numéro 1, 10e kilomètre. Merci pour tout. Bonjour, merci, super. Bon, je sors du premier ravito, ravito liquide, à 10,5 km exactement. Bon, le focus est bon.
Hein, j'avais dépassé les 10 km en moins d'une heure. Donc c'est top. Hein, j'ai aussi fait la moitié en dénivelé positif. À peu près 300 mètres, hein, il en reste 300. Et voilà. Mais écoutez, je vous reprends sur le parcours. Avec la même pêche, le même focus. Et le prochain ravito, 20e kilomètre. Allez, on continue. Ça patine. Bon, kilomètre 18, 1h47. Bah, écoutez, tout va bien. Le vent se calme un peu, heureusement. Et voilà. Bon rythme de croisière. 12-13 km/h de moyenne sur cette descente. Et voilà. Bon, j'en ai encore sous le pied, mais voilà, je vais pas tout donner. On verra sur la fin. Allez, on continue. Complexe, hein, j'arrive au 19e kilomètre, j'ai le vent en plein dans le visage, ça grimpe depuis un bon 10 minutes, donc bon, ouais, je choisis l'option de marcher pour mieux repartir et mieux relancer au-dessus. Hein, je vous laisse regarder l'arrivée au sommet. Un petit coup de cul, donc la piste, et il faut arriver là-haut. Deuxième ravito. Ouais, mais deuxième ravito de passé. Alors, j'ai décidé de pas m'arrêter, je fonce. Il reste 5 km. Ouais, et puis là, c'est reparti, c'est la tempête. De vous en suis terminé. 25 km, 2h37. Merci. Ouais, c'est bien, c'est bon. De retour à la maison, bienvenue dans mon nouveau décor. Un petit studio bien sympa. Je voulais faire un truc un peu fun. Enfin voilà, j'espère que ça vous plaît.
Il est temps pour moi surtout de passer au débriefing du trail de Buzancy. Rappel des distances, il y avait un 25 km avec 600 D+ où j'étais engagé et un 15 km avec 300 D+ où mon pote Cédric était engagé. Félicitations à toi. Donc, trail bien roulant, à part, vous avez vu dans la vidéo, les 5 derniers kilomètres vont en pleine face. Donc, j'avais prévu de le finir en moins de 2h30, ça aurait été pas mal. 2h37, bon, alors ça va, je reste content. Je tiens tout particulièrement aussi à remercier l'organisateur. Merci de m'avoir invité, merci de m'avoir fait découvrir ce trail vraiment sympa à 1h de Reims. Je vous le conseille. Si vous voulez retrouver une course bien sympa sur route aussi, au niveau de Buzancy, ils organisent au mois de mai, début mai, un 100 km route, un 60 km et un 33, si je ne me trompe pas, allez voir sur internet. Donc n'hésitez pas si vous aimez courir sur route. Et bien sur ce, il est temps pour moi de vous laisser, de vous dire à très vite, et plus particulièrement sur Lemon Trail, 33 km, 1700 D+, dans une semaine, là je vous cache pas, ça va piquer. Je vous invite aussi à vous abonner, cliquez sur la cloche si vous voulez me suivre. Vous avez aussi mon Instagram en description. Eh bien écoutez, à bientôt, prenez soin de vous, salut.